Hey tout le monde et bienvenue pour l'épisode 6 de Rayman 2. Je vais vous péter les oreilles avec ça, excusez-moi. Allez, on n'attend pas, on charge notre partie. On est déjà à 25% du jeu, on est déjà au quart. Ça va assez vite quand même. Je pense que le let's play se finira dans les épisodes 20. Moi hein. Ouais, à peu près. Enfin bref. Donc alors, les collines au menhir, ça continue celui cage. Alors là aussi, il y a un truc spécial avec ce niveau, c'est que... Je devrais aller finir un autre niveau pour finir celui-là en fait. Enfin, vous verrez bien où j'irai dans le niveau. Salut. L'endroit est gardé par un obus à pattes. J'ai entendu dire qu'il était possible de le dompter. Si ce truc te raconte que de la merde, tu vois. Ouais, vas-y. Ouais, mais j'ai... En fait, j'ai pas envie de dompter tout de suite, mais il me court après, donc... Lâche-moi! Ouais, je tombe dessus. Space pour accélérer, clip en quitter le but. Ouais, mais attends, je quitte le but. Il y a ça. Voilà. Je crois que ça a ouvert un truc. Ouais, ici. Toink. Magnifique cage! Et voilà. De toute façon, les obus repop à l'infini en fait, donc on s'en fiche un peu si j'en tue. Ouais. Ils sortent tous de la petite niche de 50 mètres carrés. 50 cm carrés, tu sais. 50 mètres carrés, ils ont de la place, quoi. Monte dessus. Hop là. J'ai réussi à me faire mal dans l'explosion, ouais. Bravo, tu as réussi à chevaucher l'obus. Ouais, space pour accélérer qu'il faut quitter l'obus. Mais tu viens de me le dire juste avant. Tu peux le quitter lorsque tu vas trop vite. Ah oui, je peux pas le quitter donc quand je fais espace. Pas de caméra. Voilà. Pourquoi y a pas de porte ici, sérieux quoi. Forme de crétin. École militaire. Afin de respecter la concentration des élèves, nous vous prions de faire silence. Ouais. Alors selon eux, ceci est une école. Donc en gros, deux types sur une chaise qui dorment. Je prends une concentration. Allez, debout. Ouais, je prends les deux en même temps, je suis un fou. Donnez-moi de la vie, d'ailleurs. J'en manque un peu. Et... Ah bah tiens, il y a déjà une cage. Machine d'ailleurs. C'est un truc du démon. Ah. Non. Il y a déjà une transition. Hop là. Ah putain. Je crois qu'on aurait juste cet écran là, celui qui est montré dans l'écran de chargement. Enfin, je crois. Dépêche-toi. Ouais, c'est celui-là. On va pas aller emmerder l'obu tout de suite. Hein. On va plutôt aller derrière cet arbre. Oh, caché. Souvenez-vous du champignon dans le niveau 2. Hein. Les champignons, on peut sauter dessus. Je t'en vais. Je vais me violer. Wouhou. Et hop là. Alors, petite note pour Kazou. Rayman n'a pas d'oreilles, ce sont ses cheveux. Ce ne sont pas des oreilles, ce sont des cheveux. Voilà. On se disait, ouais, il y a des oreilles bizarres. Non, il n'a pas d'oreilles. C'est bizarre d'ailleurs, il entend des trucs, mais il n'y a pas d'oreilles. En même temps, c'est un perso de cartoon, je vous dis. Et c'est parti. Allez, on y va. What? D'accord, il y a des... Et des pics qui sortent du sol. Génial. Suis les lumes. Tu suis les lumes, tu tomberas pas dans le piège. Un papillon. Deux papillons. Aïe. Oh. Un piaf. Non. C'est pas le moment de renoncer. Oui, mais j'ai pas mis un lumes.
excusez-moi, il y a un bug de son, alors je me dépêche de passer cette zone et je règle ça. Allez, accélère. Papillon encore. Bon, un groupe pas de limps. Je vais manger. Voilà, bon, j'ai passé la zone. A tout de suite. Re tout le monde. Bon, alors, j'ai eu quelques petits problèmes avec Fraps. Ce qui fait que, en fait, la partie que je suis en ce moment même a pas été filmée la première fois. Donc, ce que vous verrez après dans l'épisode aura été filmé avant cette partie. C'est-à-dire que j'ai déjà récupéré les caches de ce niveau et les lustres de ce niveau. Vous inquiétez pas, il en manquait juste 5. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait et comme ça, ce sera fait. Voilà. Ça me fait chier, mais bon, voilà. C'est Fraps. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a pas voulu filmer. Bon. Tonneau de poudre, hein, donc si vous avez dans du feu, voilà, vous faites un fail. Alors, normalement, il y avait une cage ici que vous deviez briser avec un tonneau en le jetant en haut, comme ça. Bon, forcément, ici, il y a plus de cage. Vous voyez, il y avait encore la chaîne, là. Et... j'ai fait le même fail, en plus, là, toi, vous voyez. On fait exactement pareil. La musique de la poursuite, là. Un panneau. Centre d'entraînement des troupes d'élite. Danger. Centre d'entraînement, mon cul. Alors ici, il y avait une lune. C'est tout ce qui est resté dans ce niveau avec, avec ce mob-là et une scène juste après, vous verrez. Voilà. C'est parti. Un bras. Un autre bras. Oh, des jambes. Wait, what? Ah, bonjour. Chuck Norris. Ah non, Clark. Ah, raconte-toi, il n'avait aucune chance. Salut, petit gars, tu viens tenter un bras de fer. T'as pas l'air bien, tu es blessé. Bon, tu sais, il est par terre, il est allé contre le mur, il respire difficilement. Mais non, il va bien. J'ai dû avaler un boulon un peu trop pointu. Écoute, tu manges du métal, c'est normal que c'est un peu mal à l'estomac après, quoi. Pour guérir, il me faudrait l'élixir de vie. Ouais, ou alors tu pourrais juste vomir. Il est caché à l'entrée des marais de l'éveil, dans un endroit appelé la grotte des mauvais rêves. Ouais, vous vous souvenez, au début de l'épisode 3, là, à l'endroit il y avait les poulets zombies, les yeux qui sautaient, le mec avec son chapeau qui disait « Non, tu n'entreras pas !» Bah, c'est là-bas. Retiens bien ce nom, sinon le gardien t'empêchera d'entrer. La grotte des mauvais rêves, ok, je m'en souviendrai. Tiens bon, je vais dans les marais chercher l'élixir. Oh, t'as que ça à foutre. Je vous dis, il va au shot 5 minutes et à mon avis, ça ira mieux. Tous ses potes, le moins dans des endroits hyper dangereux, tu vois, c'est... de se marrer entre eux, tu vois. Pouvez-vous sauvegarder, oui. Donc, les marais de l'éveil. C'est parti. Laissez-moi sortir. Hop là, dégage, piranha. Piranha qui saute sur le sol, quoi. Mmh, bien sûr. C'était par là, si je me souviens bien. Attends, y a pas 10 000 chemins. Un poulet. Oh, j'avais même pas vu celui-là. Tourisme déconseillé. Ah, hein. Je lis dans ton esprit que tu connais le nom de ce lieu. Après de toi, entrer dans la grotte des mauvais rêves. Avant de te laisser passer, je dois te prévenir. Excusez-moi, j'ai caché à l'intérieur un trésor très précieux. Tu pourras le prendre si tu es plus rapide que moi. Je vais te laisser un peu d'avance, mais ne traîne pas. Si je t'attrape, je serai sans pitié. Tu es maintenant un sanglier. Un sanglier. Pour ceux qui ont vu le cerveau d'Astérix. Hein.
Et donc on entre dans la grotte des mauvais rêves. C'est... Ouais, c'est charmant comme endroit. Il y a des points en os, des fantômes. Un Lims. Et un Lims Fioli. J'aime beaucoup la musique de ce niveau, ça. Il y a des crânes qui flottent là, kkk. Voilà, ne coule pas, s'il te plaît. De la vie et un Lims. Ok, ça se passe plutôt bien. Il y a des trucs à pic dans le sol aussi, donc ça veut dire qu'il faut pas aller dedans. Ça peut éventuellement piquer. Et un bras qui risque de nous tuer. Dégage. Et voilà. Hop. Oh, excusez-moi, bon, encore un bug. Je reviens tout de suite. Putain, ça m'énerve. A tout de suite. Alors, tout le monde. Et bah, puis donc. Ces bugs sont vraiment énervants. Je sais vraiment pas d'où ils viennent. Je sais pas ce que. Il y a encore un fail. Ça commence à être un peu trop habituel quand même. Dégage. J'adore la musique de ce niveau, sérieusement. Ça passe. Cette fois, t'oublies pas de sauter, s'il te plaît. Là, quand le pied s'enfonce dès que je le touche. Saute. Vol, liberté, liberté. Enfin, vol. Saute. Hop là. Et on est divers, ça. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Pfff. Vous l'avez vu, là, il vient de se... Hey ! Quel troll ! Ah ouais, d'accord, en plus, faut... passe. Ça passe. Il y a de la ville. Il y a des mobs. Ah, je peux les toucher d'ici. Oui, je l'ai eu. T'as une barre du feu en plus. Bande de pyromane. Et ça se balance dans le sol en plus. J'ai rien oublié. Ah, il y a la chaussée des Stiboules. C'est là-dedans. Lâche. 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 Putain. Voilà. Enfin bref. Et ça repart à l'infini. Génial. Je pense qu'il faut aller chercher les deux boules par là. On va prendre à droite, comme dans Hellbuck. Je suis pas d'accord, tu as choisi la direction de l'elfe. Amène ce crâne. Ne tombe pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a... Voilà, il y a ça en dessous. Donc on va éviter d'aller dedans. Ça peut être très très... très sympa. Ça passe. Pfiou, ça va. Parce qu'il se barre dès que j'arrive, merci. Foiré. Allez. Je peux les avoir d'ici. C'est bon. On n'oublie pas de l'une, ça, sinon ça le ferait mal. Je veux pouvoir m'éclater les doigts à la fin du niveau, quand même. Ascenseur. Merci bien. Ah, voilà notre première boule. Fuck.
système. Faut la balancer par là en premier, je pense. Lance la boule. La batte. Attrape la boule. C'est parti. Sauvegarde, sauvegarde. Forcément celui qui est au fond. Ah, j'ai presque vu. Avant de se faire taper, s'il vous plaît. Barrez-vous. Allez, ce niveau est très long, je crois. Donc, je sais pas si j'aurais le séparé d'ailleurs celui-là aussi. Oh, attention. Ascenseur. Voilà. Et formidable, des plaques tournantes. Toi seul peut nous libérer des pirates. Ouais, je sais, mais... Là, je suis dans un niveau un peu annexe, en fait, ouais, donc je peux pas vraiment... Bon, on va éviter de refaire un fail. Et la plaque se barre. Amène-toi. T'attends. C'est bon. Je veux la boue bleue là-bas. Attends, donc il y en a que 2 dés comme ça, ceci. Non. Cours. Et un lumus vert, génial. Et vous me ferez penser d'ailleurs à faire F1 la prochaine fois. Ils sont... On a dû louper au moins 50 pages, un truc comme ça. Enfin, peut-être pas 50. Mais pas mal quand même. J'aime bien le background de Rayman. Enfin, même s'il n'est pas super riche ou super intéressant, mais j'aime bien. C'était pas une bonne idée, c'était pas une bonne idée. Ouh, ça passe. Je sais, c'est un peu chiant de trimballer sa boule comme ça. Mais... On n'a pas vraiment le choix. Allez. C'est bon. C'est parti. Prends ton lume, ça, sur le sol. Et hop, ça passe pas. N'attaquez pas, s'il vous plaît, je viens en paix. Et hop là. C'est quoi ce verre? Lâche ça. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug avec le... Il y a eu un grognement, là. Ouais, ça grogne. C'est quoi, ce... Oh! Ton voyage s'arrête ici! Oups. Il veut me manger, je crois. Et encore une glissade, magnifique. Te fais pas manger, te fais pas manger. Fuck. C'est pas mon fort les glissades, hein, faut l'avouer. Allez, on est parti. Casse ça. C'est bon, je l'ai eu. Ouais, ça, c'est un lui, c'est un rouge. Attrape ça. Non. Je fais que de la merde. Tu as toute notre confiance. Ah, merci. Allez. Casse ça. Miette. Je vais me faire empaler par le pic là. Ah, aïe. Fais attention. Freine pas trop non plus quand même. Oh. Ouh.
Ouais, fonce Rayman, je sais, mais... Allez, on dépêche. En fait, j'essaie d'être prudent, histoire de ne pas oublier de l'UMS. J'ai pas envie de me retaper de niveau, en fait. Attrape l'UMS. Cours, 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 te faire manger, te faire manger. Il va te faire manger. Tu t'es fait manger. Oui, les glissades, c'est pas mon fort, j'avoue. Saute, saute, casse tout, saute, saute, ça passe, tourne, mais tourne, arrête de te manger les murs et tourne, vilain. Fou, ça passe. Oh oh, un boss. Il a bien m'apprécier vraiment. Ah oui, voilà. Alors là, faut frapper le crâne avant qu'il touche le truc pour passer. Et hop là. Ouf. Fais-en une de plus, s'il te plaît. Faut se dépêcher, sauf au bout d'un moment, elle tombe à loin. Saute. Aïe, fou, ça passe. Et la vie. Bah le bon chemin était juste derrière. Hop là. Envoie ton crâne, vas-y, envoie ton crâne. Hop là. Ah, je peux l'avoir d'ici. Dégage de là. Alors ceci est un léger bug, hein, ne vous inquiétez pas. Attention, le feu ça brûle. Le feu, ça brûle. Attention. L'eau mouille. Le vent souffle. Et la terre... salit. Ne vous roulez pas dans la terre. Ça passe, ça passe. Un lums. Youhou. Et du feu. Oui, il y a des lums rouges en bas, mais j'en ai pas besoin pour le moment. Et en plus il coule pas son. Le feu. Ah, il y a le dernier super lums là-bas. Et je passe comment? Oh. Ok. Le truc est tellement loin, tu vois qu'il apparaît. Il est obligé d'apparaître après, tu vois, pour... non, ça passe pas, merde. J'ai trop fait grosse bite. Je peux pas me filer un message plus... plus utile que ça quand même, l'île. Allez, allez, allez. Esquive le feu, esquive le feu, esquive le feu. Oh. Nya. Prends ça. Envoie-moi ton crâne. Vite, vite, vite. Ça passe. Ça passe. Hop, 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 hop. Il a failli glisser là. C'est bon, on a tous les lums. Date esquive. Voilà, on voit ton crâne. Yot, on voit un deuxième s'il te plaît. Bon, oh, ça va, il est aimable quand même. Bon, c'est bizarre, il a le même chapeau que Dieu. Ouh là, ça fait une grande zone ça. On va bien la jouer celle-là. Arrête-toi. Ouh, c'était peut-être un peu loin ça. Tu peux en donner d'autres s'il te plaît? Avant que je meure. C'est bon. J'ai vaincu.
Le trésor. Waouh. Les montagnes d'or carrées. Incroyable. Avec des diamants qui font la taille de ton corps. Une pièce d'or, waouh. Tu m'as battu. Mon trésor t'appartient. Prends ce que tu veux. Ce que je veux. Oh. Ouh. Choix scénaristique. Je prends le trésor. Oh, quel gros enculé. The end. Voilà, c'est la fin de ce let's play. Merci d'avoir regardé. Oh non, mais sérieux, quoi. Bon, voilà, Rayman est un gros connard. Il a laissé tomber le monde et... il a pris son trésor. Parti sur une île déserte. Quel connard. Méchant, Rayman. Ouais. Bon, bah, je suis un héros, donc je ne suis pas cupide. Je refuse ce trésor. Non. Ah c'est bon, je suis libéré du... Eh oh. Eh bon. Tu n'es pas tombé dans le piège. Tu as mérité ceci. Élixir de vie, garde-le précieusement. Merci. Bon, j'ai arrêté l'épisode là parce qu'il doit être assez long. Donc bah, je vous dis au revoir, hein. Aimez la vidéo, commentez-la, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, et à la prochaine fois.